Et bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Next Gen, donc une fois sur le solo, mais vous allez voir que le glitch que je vais vous proposer aujourd'hui est très intéressant visuellement. Bah il est assez drôle, malheureusement vous pourrez le réaliser sur Next Gen mais pas sur Old Gen. Dans tous les cas c'est pas très intéressant de le faire, mais c'est plus impressionnant de le voir, je trouve ça super drôle. Donc pour réaliser ce petit glitch, donc déjà il vous faudra impérativement vous rendre sur le solo de GTA 5 Next Gen et vous rendre au même endroit que moi sur la vidéo, c'est à dire à côté du garage à Trevor. Donc c'est en plein middle de map, bah à côté du middle de map, donc c'est dans un petit parking. Donc vous allez vous rendre au même endroit que moi, donc dans ce petit parking, et vous allez faire en sorte que dans le parking qui est devant moi, il y ait des voitures. S'il n'y a pas de voitures, le glitch ne fonctionnera pas. Et si vous avez des voitures, vous allez tout simplement vous placer dans le coin comme moi sur la vidéo, et vous allez tout simplement appuyer soit sur Y ou soit sur triangle, et vous allez tout simplement être téléporté dans la voiture qui se situe dans le garage. Et après bah vous pourrez faire ce que vous voulez dans le garage. Donc je sais que cette activité, il y avait une activité de ce genre sur Xbox 360 et PS3, mais là c'est sur Next Gen et il n'y a pas besoin de faire d'activité pour réaliser ce petit glitch. Je le trouve vraiment très intéressant et très drôle. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. J'ai pas d'autre chose à rajouter. Je suis désolé de ma voix parce que je suis actuellement malade. Donc j'espère que ça vous dérangera pas quand même. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like, un petit partage et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde.